to work it out, 'cause I got you to live it with me. En train de me diriger vers la réception pour pouvoir travailler parce que j'ai quand même des devoirs. Voilà, c'est bien de s'amuser et tout. Bref, c'est très joli, mais je rentre pas mon ordi. Thank you.
petit room tour, même si je dois vraiment partir. Je n'ai plus de batterie, mais dans 5 minutes, non, 10 minutes, du coup, petit room tour. Du coup, ça, c'est la porte. Quand on arrive, on a vu comme ça. Placard, petit bar, la salle de bain. Donc, j'ai deux lavabos, alors que je suis seule dans la salle de bain, donc c'est génial. Là, nous avons les toilettes. Là, la douche à l'italienne. Ensuite, on ressort, nous avons le petit bar. Alors, pause valise, télé que je n'ai jamais réussi à allumer. Petit canapé avec mes chaussettes. Petite vue. Voilà. En fait, on sort de ce bâtiment, on va là. On prend une petite voiture, on va à pied et on se retrouve bah, à la piscine. Ensuite, là, c'est le lit, donc il n'est pas fait, comme on peut le voir. Voilà. Petite bouteille d'eau, tout ça. Le mur, il est trop beau. Voilà. C'est la petite chambre. Enfin, la petite chambre, elle est assez grande pour une personne, quoi. Enfin, je voulais dire assez grande pour deux personnes, bien sûr. Même trois. On a le Club Med en Chine, parce que là, vous avez dû voir tous mes bracelets. Dès qu'on fait une activité, on a des bracelets. Et le but, c'est de gagner tous les bracelets. Parce qu'à la fin, tu peux gagner le bracelet noir. Et le bracelet noir, c'est celui du chef du village. Donc, c'est genre high level. Là, j'en ai déjà pas mal. Voilà, voilà. Faut que j'y aille. Ma chambre, c'est le numéro 222. Angel numbers. Et après, quand on sort de la chambre, c'est assez drôle. Parce que pour moi, je suis au premier étage, mais pour les Chinois, on est au deuxième étage. Parce que c'est un peu comme les Américains, genre, ils comptent pas le premier étage. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, bah, pour nous, on monte des marches et après, on est au premier étage. Là, on monte. En gros, notre rez-de-chaussée, c'est leur premier étage. Faut que je trouve une voiturette parce que j'ai les cheveux mouillés et je veux pas tomber malade. Et du coup, pour sortir, c'est là où on a le petit canard, il est temps, donc ma chambre elle est là. Hop. Franchement, c'est trop bien parce que j'ai pu faire plein d'activités. J'ai fait escalade, trapèze, zumba, pilates, yoga. Sont trop bien. Et ce matin, on a fait un petit massage d'une heure et demie. Waouh. Waouh. Vraiment, ce qui est bien en Chine, c'est que les massages, ils sont vraiment pas chers. Donc, je vais tout le temps aller me faire masser, en fait. Du coup, là, c'est l'autre bâtiment. Il y a également des chambres. Et par là, bon, là, il n'y a pas de buggy. Mais du coup, par là, on peut rejoindre la piscine et le restaurant. Il y a aussi un restaurant de nouilles dedans, mais moi je suis pas allée là, je suis allée au buffet gratuit, enfin pas gratuit mais payé quoi. Du coup là c'est un peu la vue, c'est vraiment trop beau. Voilà, avant c'était un musée, du coup il y a plein d'œuvres d'art partout et en fait il y a plein de drapeaux chinois parce que c'était pour l'occasion de la fête nationale qu'on a eu des vacances, une semaine de vacances. Je sais pas si vous avez entendu, il y a du vent. Il y a des buggies et là-bas, donc l'atelier, c'est là où on mange. Il y a la piscine et là, il y a des œuvres d'art. Enfin, derrière les drapeaux. Ah, pas un buggy avec mes valises. Oh, je me force pas dedans. Voilà, il est écrit libre. Enfin, je sais pas parce que c'est. On dirait un B, donc libre, mais ça a aucun sens en fait. Du coup, là, c'est la réception. Là-bas, le restaurant. Et tout là-bas, il y a des activités. C'est là où il y a le trapèze, le mur. Escalade extérieure. Bon là il y a carrément de drapeaux et un petit buggy qui arrive. Ce qui est vraiment drôle avec le climat en Chine, c'est que donc là il fait quoi, il doit faire 25 degrés, il fait plutôt frais. Après il y a le vent, donc c'est ça qui fait que c'est frais. Mais genre donc je suis en débardeur et jogging quand même. Les gens ils me regardent hyper bizarrement parce qu'ils sont vraiment en doudou. Alors c'est totalement, enfin c'est vraiment bizarre parce que genre nous à 25 degrés en France, on est au bout de notre vie. Alors que là, carrément, j'ai un nettement sweat parce que j'ai froid. Voilà, c'est un peu une information inutile, mais